Chers élèves, bienvenue dans la deuxième partie de la leçon réaction acido-basique. Dans la première partie, on a vu quelques activités documentaires et expérimentales. On a défini qu'est-ce que c'est qu'une réaction acido-basique. Donc une réaction acido-basique est une réaction qui met en jeu un transfert de protons. On a vu la théorie de Bronsted concernant les acides et les bases. Donc, dans cette théorie, la définition d'un acide, c'est toute espèce chimique capable de libérer un proton. Une base, c'est toute espèce chimique capable de capter un proton. On a vu également les couples acide-base. On a dit que deux espèces chimiques forment un couple acide-base s'il est possible de passer de l'un à l'autre par un échange de protons. L'acide, lorsqu'il cède le proton, il donne une espèce qui peut, en d'autres circonstances, capter un proton et redonner l'acide. On dit que ces deux espèces forment un couple acide-base et on dit aussi qu'ils sont conjugués. L'acide, c'est l'acide conjugué de la base. La base, c'est la base conjuguée de l'acide. Maintenant, on va traiter quelques exemples de couple acide-base. Donc, premier couple, il est formé des ions H3O+, qu'on appelle ion oxonium. La base conjuguée de ces ions, c'est H2O. Pourquoi? Parce que lorsque H3O+, va perdre un proton, puisque c'est un acide, il va donner une molécule d'eau. Donc H3O+, peut libérer un proton et donner H2O. H2O, c'est la base conjuguée de l'acide ion oxonium. En revanche, lorsque H2O capte un proton, il peut donner les ions H3O+, qui constituent l'acide conjugué de cette molécule. Donc, H3O+, et H2O forment un couple acide-base. L'acide du couple, c'est H3O+, la base du couple, c'est H2O. On passe au deuxième couple. Il est constitué de l'acide éthanoïque, ou bien qu'on peut appeler aussi acide acétique, et de l'ion éthanoate ou acétate. La demi-équation d'échange du proton, l'acide éthanoïque, c'est H3CO2H, libère un proton, H+, et donne la base conjuguée qui est l'ion éthanoate. Dans d'autres circonstances, la base éthanoate, c'est H3CO2-, peut capter un proton et donner son acide conjugué, c'est H3CO2H, qu'on appelle acide éthanoïque. Donc, on peut passer de cet acide à sa base conjuguée et inversement de la base vers l'acide. Comment? Par un échange de protons. L'acide libère le proton, la base peut capter le proton et redonner l'acide. Troisième exemple, ou bien troisième couple acide-base, c'est le couple où il intervient une molécule d'eau comme acide. Donc ici nous avons H2O acide, la base conjuguée c'est l'ion hydroxyde, HO-. Pourquoi? Parce que l'acide H2O, ou bien la molécule d'eau, peut libérer un proton H+, et elle résulte les ions hydroxyde HO-. Dans d'autres conditions, les ions HO- peuvent capter ou s'associer avec un proton pour donner une molécule d'eau. Exemple suivant, il s'agit de l'ion ammonium, qu'on a déjà vu. L'ion ammonium et l'ammoniac forment un couple acide-base. On peut passer de l'ion ammonium à l'ammoniac par la libération d'un proton. Et on peut passer de l'ammoniac vers l'ion ammonium en captant un proton. La base NH3 peut capter un proton et donner l'ion ammonium. Couple suivant. Il est constitué d'un ion qui est appelé hydrogénocarbonate en tant qu'acide et l'ion carbonate en tant que base conjuguée. Donc l'ion hydrogénocarbonate va libérer un proton, il se comporte comme un acide et donner la base conjuguée qui est CO3 de moins.
Inversement, CO3 de moins, lorsqu'il capte le proton, il va redonner l'ion hydrogénocarbonate HCO3 moins. Dernier exemple, il s'agit du couple où il y a du CO2 dissous dans l'eau, c'est le dioxyde de carbone dissous dans l'eau. Ce gaz, lorsqu'il est dissous dans l'eau, constitue un acide. Vous avez sûrement déjà entendu parler du pluiacide. Ils sont constitués de différents gaz qui sont dissous dans l'eau. Parmi ces gaz, on peut trouver le dioxyde de carbone. Donc le dioxyde de carbone dissous dans l'eau, on le note CO2, H2O. Et on écrit A que, pourquoi? Parce que c'est un gaz qui est dissous dans l'eau. Il joue le rôle d'un acide, il peut libérer un proton H+, et donner par la même occasion les ions hydrogénocarbonates. Maintenant, ces ions hydrogénocarbonates peuvent capter un proton et donner du CO2 dissous dans de l'eau. Donc ça constitue un couple acide-base CO2H2O HCO3-. Passons maintenant au couple de l'eau. On a vu dans les exemples qu'il y a des couples acide-base dans lesquels il y a intervention d'une molécule d'eau. Donc on efface les autres. On voit ici que dans ce couple-là, on a la molécule d'eau qui joue le rôle d'une base. Donc H2O est la base du couple H3O+H2O. Pourquoi? Parce que H2O peut capter un proton et donner H3O+. Donc la molécule d'eau se comporte comme une base. Ou bien il joue le rôle d'une base. On dit que la molécule d'eau joue le rôle d'une base dans ce couple-là. Dans le deuxième couple, ici H2O, ça constitue un acide. On voit bien qu'il est placé dans la position de l'acide. H2O, en tant qu'acide, peut libérer un proton H+, et donner les ions HO-, qui constituent la base conjuguée de l'acide H2O. Donc ici, la molécule d'eau joue le rôle d'un acide. Dans ce couple-là, H2O, c'est un acide. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concernant l'eau? On peut dire que l'eau, c'est un amphiolyte. En général, qu'est-ce que ça veut dire une espèce amphiolyte? C'est une espèce chimique qui peut jouer le rôle d'un acide dans un couple et le rôle d'une base dans un autre couple. Bien sûr, les couples, ce sont des couples acides-base. Donc, toute espèce chimique qui a cette capacité de jouer un double rôle, il peut être acide dans un couple et il peut être base dans un autre couple, est appelé un amphiolyte. On va voir un autre exemple d'amphiolyte, c'est l'ion hydrogénocarbonate. Et vous l'avez sûrement remarqué durant les exemples, on a dans ce couple-là, l'ion hydrogénocarbonate est un acide. C'est l'acide du couple HCO3-CO3-2-. Et il peut libérer un proton pour donner la base conjuguée qui est l'ion carbonate. Dans le deuxième couple, HCO3-, qui est l'ion hydrogénocarbonate, joue le rôle d'une base. Donc il est acide dans ce couple et base dans ce deuxième couple. Pourquoi ? Parce qu'il peut capter un proton et donner CO2 dissous dans l'eau, qu'on écrit CO2, H2O. Donc, HCO3-, l'ion hydrogénocarbonate, est un amphiolyte également. Maintenant, on passe à la troisième paragraphe, qui est l'équation d'une réaction acide-base. Alors, le but de ce paragraphe, c'est comment écrire ou bien quelles sont les étapes à suivre pour écrire une équation d'une réaction acide-base. On vient de voir la définition d'une réaction acide-base, c'est une réaction qui met en jeu un transfert de protons. Alors, l'équation bilan d'une réaction acide-base, on sait que les acides et les bases ont des caractéristiques chimiques opposées. L'acide libère les protons, la base capte
les protons. Donc on dit qu'ils ont des caractéristiques chimiques opposées. Alors ils peuvent réagir. Ainsi, l'acide d'un couple A1H, A1-, donc c'est un couple constitué d'un acide et de sa base conjuguée qu'on va noter avec l'indice 1 pour dire que c'est le premier couple. Donc l'acide de ce couple peut réagir avec la base d'un autre couple qu'on va noter A2H, A2-. Alors comment faire pour écrire l'équation bilan? Quelles sont les étapes à suivre? Premièrement, on écrit les demi-équations dans le sens où elles se produisent. C'est-à-dire, lorsqu'on est en présence d'un acide, l'acide va libérer le proton, donc on va écrire la demi-équation dans le sens de la libération du proton. Lorsqu'on est en présence d'une base, la base va capter le proton et on va écrire la demi-équation dans le sens de la fixation du proton par la base. Alors, il y a dans le couple 1, c'est l'acide qui va réagir. Donc, cet acide va perdre un proton. La demi-équation du perte du proton par l'acide A1H peut s'écrire de cette façon. A1H libère un proton et donne la base conjuguée A1-. Par contre, la base du deuxième couple, A2-, va capter le proton. Ce proton-là, c'est le proton libéré par l'acide. Donc il va être capté par la base du deuxième couple, A2-, pour donner l'acide conjugué de cette base qui est A2H. Donc on a écrit les deux demi-équations. La première, c'est l'équation de la libération du proton. La deuxième, c'est la demi-équation de la fixation du proton par la base. L'équation bilan est la somme des deux demi-équations. On va combiner ces deux demi-équations, on va effectuer la somme pour trouver l'équation bilan de la réaction qui s'est produite entre l'acide A1H et la base A2-. Donc en effectuant la somme, on trouve cette équation. Cette équation-là, il y a ici un transfert direct du proton de l'acide du premier couple vers la base du deuxième couple. Comme vous pouvez le remarquer, le proton H+ n'apparaît pas dans l'équation bilan. Pourquoi? Parce qu'il est simplifié. On a un proton dans le côté des réactifs et un proton dans le côté des produits. Donc on simplifie par le proton parce que c'est ce proton-là qui est libéré par l'acide qui sera capté par la base. Donc le proton passe directement de l'acide du premier couple vers la base du deuxième couple. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient les espèces conjuguées des réactifs. On a l'acide du premier couple qui va donner sa base conjuguée, puisque le proton est transféré vers la base A2-. Donc il résulte la base conjuguée de l'acide A1H et l'acide conjugué de la base A2-. Donc on obtient les espèces chimiques conjuguées des réactifs. Passons à une petite application. Écrire l'équation de la réaction qui se produit entre une solution d'acide éthanoïque, CH3COOH, et une solution d'hydroxyde de sodium, Na++HO-. Donc, comment faire pour écrire l'équation de la réaction qui se produit entre cet acide et l'hydroxyde de sodium? Donc premièrement, on doit désigner les réactifs et qu'est-ce qu'ils constituent dans leur couple. On doit déterminer les deux couples et l'acide qui va réagir et la base qui va réagir. Donc l'acide CH3COH, comme son nom l'indique, c'est un acide, donc c'est l'acide du couple CH3COOH, CH3COO-. C'est la même notation qu'on a vu dans les exemples. On a écrit CH3CO2H. Ça s'appelle l'acide éthanoïque. L'ion s'appelle l'ion éthanoate. Donc, l'acide CH3COH, c'est l'acide de ce couple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va perdre un proton. Donc, il perd un proton selon la demi-équation de perte de proton
encadré en bleu. Donc CH3COH perd le proton pour donner l'ion éthanoate qui n'est autre que sa base conjuguée. Par contre, HO-, c'est la base d'un autre couple qui est le couple H2O-HO-. On a déjà vu le couple où intervient la molécule d'eau. Puisque c'est une base, qu'est-ce qu'il va faire? Il va capter le proton cédé par l'acide. Elle gagne le proton selon la demi-équation et on écrit la demi-équation qui représente la capture des protons par la base HO-. Donc la base HO-, lorsqu'il capte le proton, il donne une molécule d'eau. Maintenant, on a les deux demi-équations. Qu'est-ce qu'on va faire pour écrire l'équation de la réaction? Il suffit de combiner les deux demi-équations et on obtient, donc on combine les deux demi-équations et on obtient l'équation bilan de la réaction. L'acide éthanoïque réagit avec les ions hydroxyde présents dans l'hydroxyde de sodium. Les ions Na+ sont des ions spectateurs pour cette réaction, ils ne réagissent pas. Donc la réaction se produit entre l'acide du premier couple et la base du deuxième couple. Et ça donne quoi? Ça donne les espèces conjuguées, ça donne l'ion éthanoate qui est la base de l'acide éthanoïque et une molécule d'eau qui est l'acide de ce couple où intervient les ions HO-. On enchaîne par la réaction des acides et des bases avec l'eau. On sait déjà que l'eau est un ampholyte, c'est-à-dire elle peut jouer le rôle d'un acide ou bien d'une base selon le milieu. Donc l'eau est un ampholyte, en présence d'un acide, il se comporte comme une base et capte un proton. Et en présence d'une base, il se comporte comme un acide et cède un proton. C'est en quelque sorte l'autre espèce qui va dicter le comportement de l'eau. Donc, on va prendre quelques exemples des réactions qui peuvent avoir lieu avec l'eau. On prend le premier exemple, l'acide éthanoïque dans l'eau, en considérant que cette réaction est totale. Donc ici, on est en présence de l'acide éthanoïque. L'eau va se comporter comme une base. Donc lorsqu'on ajoute de l'acide éthanoïque dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un transfert de protons de l'acide vers l'eau qui va jouer le rôle de la base. Donc on obtient l'ion éthanoate qui est la base conjuguée de l'acide éthanoïque, la base du premier couple, et les ions H3O+ qui est l'acide conjugué de l'eau qui a joué ici le rôle d'une base puisqu'il capte le proton qui provient de l'acide éthanoïque. Le deuxième exemple, c'est de l'ammoniac dans de l'eau. La réaction de l'ammoniac avec l'eau, ici l'ammoniac c'est une base, donc l'eau, automatiquement, l'eau va se comporter comme un acide et va céder le proton. Donc le transfert de ce proton va être effectué de l'eau qui joue le rôle de l'acide vers l'ammoniac qui est une base. Et on obtiendra les espèces conjuguées. On obtient l'ion ammonium NH4+ qui est l'acide conjugué de l'ammoniac et l'ion hydroxyde HO- qui est la base conjuguée de la molécule d'eau qui joue ici le rôle d'un acide. Donc, en récapitulant, l'eau peut jouer le rôle d'un acide lorsqu'il est avec une base et le rôle d'une base lorsqu'il est avec un acide puisque c'est un ampholyte qui intervient dans deux couples différents. On passe maintenant à un exercice. Donc, lorsqu'on ajoute une solution d'acide chlorhydrique à une solution d'hydrogénocarbonate de sodium, Na+, HCO3-, une réaction chimique se produit. On donne les couples acide-base, on a les couples où intervient l'ion hydrogénocarbonate. On a déjà vu que c'est un ampholyte, donc dans ce couple, il s'agit d'un acide. Dans ce couple, il se comporte comme une base. Première question, quelle est la formule de la solution d'acide chlorhydrique? Contient-elle une espèce acide ou basique?
écrire l'équation de la réaction chimique qui a eu lieu. Qu'est-ce qu'on peut observer, sachant que le dioxyde de carbone est peu soluble dans l'eau. Deuxième partie de l'exercice, lorsqu'on ajoute une solution d'hydroxyde de sodium cette fois à une solution d'hydrogénocarbonate de sodium, la même solution que la première partie, une réaction chimique se produit. Première question, quelle est la formule de la solution d'hydroxyde de sodium? Contient-elle une espèce acide ou basique? Dernière question, écrire l'équation de la réaction chimique qui a eu lieu. Donc, cet exercice a pour but l'écriture des réactions ou bien des équations des réactions chimiques et en même temps se rappeler quelques couples acide-base qu'on vient de voir. Donc, je vous laisse réfléchir et on passe à la solution. Première question, quelle est la formule de la solution d'acide chlorhydrique? Contient-elle une espèce acide ou basique? Donc, je réponds à la première partie de la question. Quelle est la formule de la solution de l'acide chlorhydrique? Vous avez déjà vu dans la leçon précédente qu'on obtient une solution d'acide chlorhydrique en dissolvant un gaz qui est le chlorure d'hydrogène dans l'eau. Cette solution donne lieu à des ions H3O+ qui ont l'ion oxonium et les ions Cl- qui sont les ions chlorure. Donc, la formule de la solution d'acide chlorhydrique est H3O+ plus Cl-. Bien sûr, aqueux, puisqu'il est dans l'eau. Qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient l'espèce H3O+, qui est l'acide du couple H3O+, H2O. Donc l'acide chlorhydrique contient une espèce acide qui est H3O+. Il contient bien sûr les ions chlorure, mais les ions chlorure sont des ions spectateurs pour les réactions acido-basiques. Écrire l'équation de la réaction chimique qui a eu lieu. Quelle réaction chimique? C'est la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'hydrogénocarbonate de sodium. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer, sachant que le dioxyde de carbone est peu soluble dans l'eau? Alors, on va tout d'abord écrire l'équation de la réaction chimique qui a eu lieu. Pour cela, on doit prendre en considération que l'ion hydrogénocarbonate est un ampholyte. Puisque c'est un ampholyte et on a déjà les couples, on a deux couples dans les données, alors en présence d'un acide, il va se comporter comme une base. Donc il se comporte comme une base, d'où le couple qui intervient, c'est le couple dans lequel l'ion hydrogénocarbonate joue le rôle de la base. Donc je vais choisir ce couple-là des données. Alors puisqu'il se comporte comme une base, on va écrire les deux demi-équations de la réaction. Les deux demi-équations, on a les ions oxonium qui proviennent de l'acide chlorhydrique. C'est un acide, donc il va libérer un proton et donner des molécules d'eau. L'ion hydrogénocarbonate va se comporter comme une base, il va capter le proton et donner CO2 dissous dans l'eau. L'équation bilan de la réaction est la somme des deux demi-équations. Donc j'effectue la somme. On va simplifier par le proton puisqu'il est dans les produits et dans les réactifs et on obtient H3O+, qui provient de l'acide chlorhydrique, réagit avec les ions hydrogénocarbonates qui proviennent des hydrogénocarbonates de sodium et donne de l'eau avec CO2 dissous dans l'eau. Mais il y a une remarque, on a dit que le dioxyde de carbone est peu soluble dans l'eau. Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner que ce CO2 qui est dissous dans l'eau va se dégager et on obtient l'équation de la réaction qui représente ce dégagement. Donc CO2 va se dégager en tant que gaz. Donc H3O plus HCO3- donne CO2 plus 2H2O. Voilà la première molécule, voilà la deuxième molécule. Donc quelle est l'observation qu'on va effectuer?
on va observer un dégagement gazeux. Donc, on observe le dégagement du gaz CO2. Passons maintenant à la deuxième partie de l'exercice. Première question, quelle est la formule de la solution d'hydroxyde de sodium? Comme son nom l'indique, l'hydroxyde de sodium, il contient les ions hydroxyde et les ions sodium, donc Na+, plus HO-, Aq. Contient-elle une espèce acide ou basique? Alors, on constate qu'il contient les ions HO-. Les ions HO- sont une base. Ça constitue la base du couple H2O, HO-. Donc, on est en présence d'une base qui va réagir avec l'hydrogénocarbonate de sodium. Alors, l'ion hydrogénocarbonate, cette fois, va se comporter comme un acide. Pourquoi? Parce que c'est un ampholyte qui est en présence d'une base. Donc, il va se comporter comme un acide. D'où le couple acide-base qu'on va choisir, c'est le couple dans lequel l'ion hydrogénocarbonate intervient en tant qu'acide. Donc HCO3-, CO3-2-. Les deux demi-équations de la réaction, HCO3- va libérer un proton et donner les ions carbonate. HO- présent dans l'hydroxyde de sodium va capter le proton et donner l'acide conjugué qui n'est autre que la molécule d'eau. Et on obtient l'équation bilan en combinant les deux demi-équations. Donc HCO3- plus HO-, hydrogénocarbonate plus hydroxyde, ça donne l'ion carbonate plus l'eau. Merci de votre attention et au revoir.